Bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la 31e heure du compte, un autre bloc de maman. Je m'appelle Pascal, ex-enseignante au primaire et au secondaire, et aujourd'hui, je vais te lire Sophie Delorme, détective hors norme. Si tu te rappelles, je t'avais déjà raconté une histoire avec Sophie. Oui, c'est ça, ça parlait de licorne, mais tu vas voir aujourd'hui, dans mon histoire, il n'y a pas de licorne, mais ça va être tout aussi intéressant. Regarde Sophie, elle est déguisée en détective, donc on s'imagine qu'elle a plus d'un talent et il va y avoir un chien dans l'histoire qui va jouer un rôle important. Souvent, la page couverture, ça nous donne beaucoup d'indices sur ce qui va se passer. Hein? C'est une histoire qui a été écrite par Morag Oud et Ella Ostad aux éditions Les Malins. Ma mission aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse au sens du titre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, une détective hors norme? La norme, habituellement, c'est ce qui est attendu, c'est ce qui est commun, c'est ce qui nous semble normal. Hein? Alors, une détective hors norme, qu'est-ce que ça peut être? Je te laisse y penser et je vais commencer mon histoire. Ah, j'aime ça, parce que quand on ouvre le livre, on a un clin d'œil à l'autre histoire de Sophie. C'est le pays des licornes ici. Puis, ici, on a une rangée de maisons, toutes sortes de couleurs, très colorées. C'est écrit « Agence de détective et centre de la licorne ». Je pense que ça veut dire que justement, Sophie, elle est à la fois détective et experte en licorne, puis ce sont peut-être ses quartiers généraux. Hein, ça, dans le fond, c'est son endroit où elle travaille, où elle s'imagine travailler. Peut-être que c'est dans son imagination aussi que tout ça se passe. Je m'appelle Sophie Delorme et je suis une détective hors norme. Les licornes, j'aime les licornes. Je résous des crimes, je combats les méchants et parfois... je mange mes légumes. Oh oui, parce que sa mère et son père doivent lui dire de manger ses légumes. Alors, elle a une super belle chambre, Sophie, puis à chaque fois qu'on entre dans sa chambre, il y a plein de petites choses que l'on peut découvrir avec elle. Il y a toujours son ami le poisson rouge, son chat. Ah, elle a aussi plein de jouets, mais si tu regardes, elle a toujours plein de livres. Espions célèbres, tendre des pièges, indice, tome 5, secret, tome 3, le code morse, agent double. C'est quoi ces livres-là? C'est ça, c'est plein de livres de détectives. J'ai beaucoup étudié pour apprendre mon métier de détective. Mais oui, regarde tous les livres qu'elle possède. Et là, je n'ai pas encore toutes les lire parce que on va être encore ici demain matin. Mais ce sont plein de livres qui parlent du métier de détective. Hein? Top secret, enquêter, femme détective, les meilleurs films de détective. Peut-être que Sophie allait en écouter. Hein? Heureusement, je savais où chercher. Est-ce que Sophie, elle a lu ses livres, tu penses? Ben non! On dirait qu'elle est en train d'apprendre son métier à la télé. Elle est peut-être en train d'écouter les films de détective qu'il y avait dans son livre. Voici Bella. C'est ma nouvelle assistante. Mais elle n'est pas très douée. Bella, c'est sa chienne. Ah, comment devenir détective? Hein? Sophie, elle a décidé de remettre le nez dans son livre. Et Bella, elle semble nous regarder, l'air de dire « Oui, oui, je suis capable. » On a le même âge, mais je suis manifestement plus maligne qu'elle. Plus intelligente qu'elle. Est-ce que tu crois que c'est vrai, ça? 2 plus 2 égale 6, 3 plus 1 égale... c'est pas 1. Mais regarde les équations que Bella est en train de résoudre. Ça a l'air beaucoup plus compliqué que celle que Sophie essaie de faire. Bella n'aime pas particulièrement enquêter dehors. Ben
elle a mis son imperméable et son chapeau, quand même. Et elle est très difficile sur la nourriture. Mais je n'ai pas le temps d'apprendre à Bella comment devenir une détective. Ouais, ben c'est vrai que ça a l'air d'un chien qui mange des mets raffinés. Hein? Elle a un chandelier sur sa table, avec des os, un nœud papillon, comme elle est chic. Parce que j'ai une tonne de choses très importantes à faire. Un crime affreux a été commis. Et moi, Sophie Delorme, détective hors norme, je vais démasquer le coupable. Hein, et je vais trouver qui c'est. Et là, il y a plein d'affiches partout avec la peluche du lion. Est-ce que tu as envie que je te lise ce qui est écrit sur les affiches? Je vais te lire ça. Queue manquante récompense des bonbons pour qui trouvera cette queue. Oh, c'est ça le crime qui a été commis. Quelqu'un a pris la queue de la peluche lion de Sophie. Ah, je me mets aussitôt au travail. J'arrête des suspects et je prends leurs empreintes. Mais Bella ne comprend pas le métier de détective. Hein? Alors, les suspects, ce sont les personnes que l'on croit ou que l'on pense qui ont fait le crime, qui ont commis le vol. Et prendre des empreintes, ben c'est de chercher partout. Hein? S'il y a des empreintes de pas, puis des fois, on peut prendre des empreintes de ceux que l'on suspecte pour savoir si ça correspond à celles qu'on a trouvées sur les objets de la pièce. Elle questionne son poisson. Est-ce que tu crois que son poisson a pu sortir du bocal? Mais non. Hein? La poupée, son petit frère. Oh, regarde, Bella, elle met plein d'affiches avec des flèches qui pointent sur quelque chose. Elle me conduit sur des pistes qui ne mènent nulle part, visiblement. Mais non, Sophie, c'est un indice, regarde. Qu'est-ce que c'est sur le coussin? C'est Bella qui a trouvé ça. C'est la queue du lion! Mais non, hein, elle la conduit justement au bon endroit. Pendant que je suis occupée à enquêter, Bella hurle sans raison toute la journée. Aouh! Aouh! Mais pourquoi elle hurle? Oui, vous avez vu, vous aussi? Ce sont les voleurs! Ils sont derrière la vitre! Sophie voit rien. Elle est trop occupée à prendre des choses en photo. Ah, oh, elle me dérange sans arrêt. Mais je n'ai pas de temps à perdre avec ces jeux ridicules. J'ai des interrogatoires à mener, moi. Elle doit poser des questions à tous ses suspects. Mais là, ce ne sont pas des jeux. Regarde, elle a même repris la queue de la lionne dans sa main. Puis, qu'est-ce que tu penses que le voleur veut faire? Il veut la reprendre. Attraper des criminels, ça demande beaucoup de travail, vous savez. Elle n'a pas l'air de beaucoup travailler ici, hein, Sophie? Elle mange un sandwich, puis elle boit son jus d'orange. Mais Bella, elle... est en train de tendre un piège. À qui? Est-ce que tu reconnais ce pied-là? Oui, c'est le pied du voleur. Hein? Il porte un uniforme de voleur rayé. On voit ça souvent, des uniformes de voleur avec des rayures. Puis le piège de Bella, qu'est-ce que c'est, tu crois? Oui, ici, il y a des bonbons qui sont suspendus dans un seau et plein de vaisselle suspendue après une corde, des pelures de bananes et plein de petits bonbons par terre. Je pense qu'on est en train d'imaginer ce qui va se passer avec les voleurs. « Mais Bella ne m'aide pas », continue à dire Sophie. « Pas du tout ». Elle est en train d'expliquer toutes sortes de choses à son petit frère. Avec le lapin, elle pense que c'est le lapin qui aurait volé la queue. C'est ce qu'elle a dessiné sur son schéma ici. Et Bella, elle a attaché les voleurs ensemble.
souffle avec sa corde plein de vaisselle. Hein? Bravo, Bella. Oh, Bella serait bien incapable de reconnaître un crime, même s'il se produisait juste devant son museau. Mais c'est tout le contraire. Regarde, elle croit que c'est le lapin qui a commis le crime. Et pendant ce temps-là, qui vient la récompenser, Bella? Le policier. Le policier qui emmène les méchants brigands, les voleurs, dans sa voiture de police. Et il lui remet une médaille. C'est écrit « Super Toutou ». Je pense que Sophie devrait mieux regarder ce qui se passe autour d'elle pour comprendre que Bella, elle est beaucoup plus intelligente qu'elle ne le croit. Heureusement que je suis là! Ah oui, sinon, il y aurait des hors-la-loi à tous les coins de rue. C'est pour ça qu'on a besoin de moi. Sophie Delorme, détective hors norme. Pauvre Sophie, elle s'est rendue compte de rien. Mais je pense que le sourire de Bella signifie qu'elle est très fière d'elle. Puis elle a transformé sa maison de poupée en poste de police. Elle a mis tous les suspects dans le poste de police, en prison. Mais les vrais voleurs, on sait qu'ils sont dans la vraie prison parce qu'on les a vus. Alors, est-ce que tu as réfléchi au sens du titre? Qu'est-ce que ça veut dire, Sophie Delorme, détective hors norme? Ça aurait pu vouloir dire qu'elle était très, 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 très bonne, de manière extraordinaire. Mais là, je pense que ce que ça veut dire, ça veut simplement dire qu'elle est spéciale un peu, Sophie, qu'elle n'est pas très douée, qu'elle est différente dans sa manière d'exercer la profession de détective et qu'elle ne voit pas vraiment plus loin que le bout de son nez. C'est une expression qui veut dire qu'elle n'est pas très perspicace. Alors, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'elle est spéciale, Sophie. Je vais m'adresser maintenant aux parents qui ont lu, qui ont regardé l'histoire avec nous. Dans les livres de Sophie, si vous avez le premier album ou le deuxième, il y en a trois, je pense, en tout, il y a énormément d'informations qui se cachent dans les illustrations. Je sais que c'est souvent un conseil que je vous donne, mais je ne peux pas passer à côté de celui-là à propos de cet album-là. Donc, il faut prendre le temps avec l'enfant de lui faire constater des choses. Si c'est un enfant plus jeune, on peut interpréter les images à sa place. On peut lui poser des questions, s'il est un petit peu plus vieux, pour dire « qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ou qu'est-ce qui se passe là? Qui est ce personnage? » Pour que l'enfant, finalement, arrive à bien comprendre. Ce que vous pouvez faire, parce que c'est sûr que cette histoire-là, votre enfant va vous demander de la raconter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, parce qu'il va comprendre des choses différentes à chacune des lectures, puis c'est sécurisant pour lui d'entendre plusieurs fois la même histoire. Mais on peut commencer par la lire, tout simplement, et voir dans les yeux de l'enfant s'il comprend des choses. Et l'enfant va manifester lui-même sa présence lorsqu'il va comprendre ce qu'il y a dans les illustrations, parce que c'est un petit peu ironique le texte, le texte versus les images, on est en train finalement de dire une chose et son contraire en même temps avec les illustrations et la juxtaposition du texte. Alors l'enfant, il va réagir, non, il dit, mais non, elle va dire, regarde, Bella, elle est intelligente, puis elle va vous expliquer pourquoi. Alors on prend le temps de s'arrêter, d'arrêter la lecture pour savourer ces moments-là, parce que ça fait partie de l'expérience. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, aimer, commenter, partager, et je vous dis à samedi prochain!